Voilà. Et là, on va partir visiter la chambre. C'est parti. Regardez la vue, là. Incroyable. Voilà. C'est Kraoyal Ansa Wellness Center. Je mettrai le lien en bas. Comme ça, vous pourrez voir. Cheers, les gars. Faisons un petit tour dans la chambre. C'est parti. Ah, c'est plutôt grand. Franchement. C'est Deluxe King Room. On a une belle vue en plus. Je vous montrerai ça après. Et là, la salle de bain. Hello! Salle de bain qui est plutôt grande, avec toilettes séparées. C'est plutôt original. En général, c'est rarement séparé comme ça. Une petite nuit à Kraoyal. Franchement, ça vaut le détour. Je vais vous montrer. Là, en plus, c'est un canapé qui fait office de lit aussi. Donc, vous pouvez ramener quelqu'un. C'est plutôt cool. Et là, à l'extérieur, il y a une vue. Mais incroyable. En fait, c'est la vue qu'on a sur la montagne. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis le protège contre les moustiques, là. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, voilà. Bon, franchement, ça vaut le coup. Allez-y sans hésiter. Tchuss. Regardez-moi ces papillons. Énorme. Cet endroit est juste relax. Ça s'appelle Ansa Wellness Center. Il y a une piscine en plus en retour. Plutôt incroyable. Franchement, pour un moment de détente, je recommande totalement. Avec la situation actuelle, avec le Covid et tout, pas facile, mais de trouver des endroits ouverts. Now we are in Dusit Kraoyal. Dusit 2, D2 Kraoyal is quite nice. Look, guys, in the middle of the room, the view is on the mountain view, so it's quite cool also. Today raining, but it's fine. For real, the facilities in here, the service in here is very nice. People very kind. Le service est super. Les gens sont cool. Hello. Non, franchement, c'est belle qualité de chambre. Meilleur service que Ansa Wellness Center. Et en plus de ça, sympathique chambre pour le même prix en plus, je vais vous dire. Donc c'est plutôt cool. Et là, je vais partir visiter un peu l'hôtel. Tchuss les gars. Petite escapade à Bucolic Café, donc c'est à Kraoyal. Franchement, c'est un endroit que je recommande pour se reposer. C'est à 2 heures de Bangkok. C'est plutôt sympa. C'est vert, très vert, et calme, belle montagne. Donc franchement, ouais, ça vaut le coup. Vous avez des beaux hôtels en plus. Et il y a de tout. Il y a même des tentes, des camps. Enfin, c'est top. Franchement, c'est top. Et là, je vais vous montrer le petit café. La vue du café aussi, la bucolique café. Le petit café et la petite vue qui a. La petite musique. Si reposant. Et même il fait pas trop chaud, donc c'est plutôt top. Il y a de l'air frais. Franchement. Quoi de mieux que cette vue-là.